Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous me captez bien, vous m'entendez bien, parce que j'ai vu quelques remarques de quelqu'un qui disait qu'il n'entendait pas du tout. Nous n'étions juste que au compte à rebours pour vous dire qu'on allait démarrer l'émission dans quelques minutes. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est comment renverser les verdicts de mort. C'est un enseignement extrêmement important et je pense qu'il va sauver la vie à plusieurs d'entre vous et qui va libérer plusieurs d'entre vous de certaines conceptions erronées que la religion a essayé de nous imposer concernant la mort. Pendant que je suis même en train de parler, je sens déjà l'Esprit de Dieu, je sens l'onction de Dieu sur moi parce que ça fait partie du mandat que Dieu m'a donné. L'une des choses que le Seigneur m'a demandé de prier, c'est celle-là. Le Seigneur aimerait donner à ses enfants la longue vie. Et cela ne dépend pas des circonstances par lesquelles vous allez passer. Cela va dépendre de vous et de votre foi. Quel est l'enseignement que vous avez reçu là-dessus? Je vais vous donner les arguments bibliques qui vont vous aider à vivre longtemps et qui vont vous aider à aller plus loin avec Dieu. Vous savez, plus vous vivez longtemps, plus vous pouvez faire beaucoup plus de choses pour le Seigneur. Vous pourrez rattraper, bon, rattraper en griffe, parce qu'on sait que le temps perdu n'est jamais rattrapé, mais par contre, on peut accélérer le temps présent pour donner l'impression de rattraper ce qu'on a comme perdu en notion de temps. Donc, le Seigneur veut que nous puissions vivre longtemps, et ça, la Bible le dit. La Bible est claire là-dessus. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. C'est le psaume 91 que j'aime qu'on puisse commencer à lire. Le psaume 91, dès le verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur veut nous rassasier de longs jours. Vous savez, l'affaire de la longue vie, quand on parle de l'affaire de la maladie, la mort, on parle du péché aussi. Parce que le péché va amener la maladie va amener la mort. Mais si le péché a été vaincu, ça veut dire que la maladie a été vaincue, ça veut dire aussi que la mort a été vaincue. Okay? Et ça veut dire que si le Seigneur nous a donné l'autorité sur le péché, on a l'autorité sur la maladie, et donc on a l'autorité sur la mort. On va voir toutes ces choses-là. Et mes chers frères et sœurs, quand vous allez changer votre mentalité par rapport à ça, vous verrez, vous ne serez plus effrayés par les mensonges du diable et tout ce que le diable viendra mettre dans vos cœurs pour stopper, abréger et arrêter votre destinée. Quel est l'intérêt de vivre longtemps? L'intérêt, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu aussi longtemps qu'on le peut. L'intérêt, c'est de maximiser, comment on appelle ça, amasser au maximum les récompenses d'en haut. Parce que les récompenses d'en haut, c'est sur la terre que nous les amassons. Et vivre longtemps nous donne davantage de chance et de grâce d'amasser le maximum de récompenses qu'on aura au ciel. Vivre longtemps nous donne l'opportunité de pouvoir accomplir véritablement la mission de Dieu et se rattraper quant à la destinée que Dieu a pour nous. Voyez-vous, dans la vie, nous faisons beaucoup d'erreurs et certains font des erreurs qui vont les retarder. Et quand ces erreurs les retardent, s'ils ne vivent pas longtemps, ils ne pourront pas rattraper ces erreurs-là. Ils ne pourront pas davantage travailler pour faire ce pourquoi ils ont été envoyés sur la terre. Je vous disais que ça fait partie du mandat que Dieu m'a donné, dire aux gens, dire aux chrétiens que la volonté de Dieu est qu'ils puissent vivre longtemps. C'est ça le plan parfait de Dieu pour vous, mes chers frères et sœurs. Vous savez, Catherine Kuhlmann, quand vous lisez son livre, vous voyez que cette dame raconte, donc c'est même pas elle, c'est les gens qui ont écrit la biographie de Catherine Kuhlmann. Ils racontent que elle a vécu plusieurs années en dehors de la volonté de Dieu, et quand elle a décidé d'être au cœur de la volonté de Dieu, elle a connu un ministère de guérison incroyable, un ministère qui rassemblait des foules et jusqu'à présent continue à parler du ministère de Catherine Kuhlmann. Elle continue à être une référence. Mais savez-vous que tout ce que Catherine Kuhlmann a fait et dont on est au courant aujourd'hui, ça concerne juste les 10 dernières années de sa vie environ.
les 10 dernières années. Cette dame, les 10 dernières années, après avoir, après s'être rendue compte qu'elle était en dehors de la volonté de Dieu, elle a maximisé, voyez-vous, ces 10 dernières années, et elle a fait tout ce que vous entendez, tout ce dont vous entendez parler aujourd'hui, c'est pendant cette période. Et elle est morte, je pense, à 60 ou 70, je ne sais plus trop, mais elle n'est pas morte à 80 et quelques. La volonté de Dieu est que vous puissiez vivre très longtemps. Il y a des gens qui m'ont posé des questions au sujet de... Excusez-moi, des personnes comme le pasteur Miles Monroe. Il y en a qui m'ont dit non, mais si Dieu veut qu'on puisse vivre longtemps, mais pourquoi alors le pasteur Miles Monroe est mort de façon prématurée, selon eux, en plus dans un accident d'avion. Mes chers frères et sœurs, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Quand vous écoutez les vidéos du pasteur Miles Monroe avant sa mort, il disait bien qu'il avait terminé sa mission et que la mission de quelqu'un se termine sur la terre quand il s'est vidé de lui-même pour pouvoir investir les autres. Ça, c'est ce qu'il disait. Et il disait qu'il était prêt à rejoindre le Seigneur. Eh bien, quand vous le dites, mes chers frères et sœurs, eh bien, le Seigneur va tenir compte de cela et il vous reprend. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une différence entre, il peut y avoir une différence entre ce que la parole de Dieu dit et ce que certains hommes de Dieu vivent. C'est pas parce que certains hommes de Dieu ont vécu quelque chose que ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Est-ce que vous suivez? Encore que concernant Miles Monroe, moi je pense que c'était peut-être son choix. Peut-être que il pensait qu'il avait tout fait et qu'il était prêt pour rencontrer son Seigneur. Mais tout ça, on verra ça au ciel quand on aura réponse à tout au ciel. Mais le problème, c'est que les chrétiens, en fait, vont prendre l'avis de certaines personnes pour dire « Oui, mais si c'était vrai ce que tu dis, cette personne n'aurait pas vécu ça, 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 ça. » Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la Bible qui doit s'adapter à nos expériences, ce sont les expériences qui doivent s'adapter à la Bible. Si l'expérience d'un homme de Dieu ne coïncide pas avec ce que la parole de Dieu dit, mes chers frères et sœurs, nous devons rester sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi personnellement, je me sens tous les jours sous pression sur la façon dont je dois mener ma vie, parce que je dois être un modèle. Parce que ce que je fais, les gens de penser que la Bible donne caution à cela. Alors que parfois, non. Et la Bible va dire que imiter ceux qui ont fait des exploits avec la foi et imiter leur foi et regarder leur fin. Quand je vois un passage biblique qui dit de regarder comment ils ont fini, je fais vachement attention. Je dis, mais Seigneur, je veux davantage me nourrir de la parole pour que cette parole soit réelle dans ma vie et que je sois en bonne santé, prospère et que je vive longtemps pour que ta parole se fasse vraie dans ma vie. Parce que quand les gens vont comprendre ma fin, ils vont regarder la parole de Dieu et ils peuvent rester dans le doute si ma fin ne coïncide pas avec celle qui est dans la parole de Dieu. Regardez le docteur Kenneth Hagin que j'ai l'habitude de citer. Vous savez, Kenneth Hagin, je l'estime beaucoup. Je le considère un peu comme vraiment un mentor. J'ai été révolutionné par ses livres. Son ministère m'a touché beaucoup par les livres qu'il écrivait depuis quand j'étais étudiant. Il disait toujours que il n'allait pas mourir de façon prématurée. Il disait qu'il n'allait pas mourir de façon prématurée. Il disait que il n'allait pas mourir par accident. Il disait que il allait mourir quand il voudra mourir. Ça, c'est ce qu'il disait. Et il décrivait même comment il allait mourir. Il disait même que je vais vivre très longtemps et quand je voudrais rejoindre le Seigneur, je dirai au revoir à ma famille et puis je m'asseyrai et je partirai. Eh ben, c'est comme ça qu'il est mort, mes chers frères et sœurs. Il a vécu longtemps et le jour où il devait partir, il a réuni sa famille et il est parti. Est-ce que vous voyez? Et il y a d'autres hommes de Dieu qui sont morts comme ça. Je connais un homme de Dieu, le pasteur Giraud, un homme de Dieu qui a vraiment amené le réveil, surtout en Afrique centrale. Et les derniers instants de sa vie, il m'appelait énormément, on discutait énormément au téléphone. Et ce monsieur était déjà vraiment avancé en âge. Il croyait en la guérison divine, il croyait au plein évangile. Et c'était l'un des rares même de son époque qui prêchait le plein évangile et qui vivait le plein évangile, vous suivez?
Et ce monsieur, vous savez, il est mort très âgé. Et il est allé tout simplement dormir. Et le lendemain matin, mes chers frères et sœurs, il ne s'est plus réveillé. Mais il était très âgé. Il était très, très, très âgé. Il n'est pas mort de façon prématurée, il n'est pas mort jeune. Mes chers frères et sœurs, faisons attention à notre fin, parce que les gens vont regarder notre fin et vont regarder la parole de Dieu. Si ça ne coïncide pas avec ce que la parole de Dieu dit, ils vont être dans la confusion. C'est l'une des raisons pour lesquelles je prêche cet évangile et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui pour vous enseigner comment renverser tout verdict de mort. On est sur ce sujet jusqu'à jeudi. La chose que j'aimerais d'abord que vous puissiez accepter et retenir, c'est que Dieu veut que vous puissiez vivre long. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si vous n'acceptez pas ça, eh bien, vous serez sujet aux aléas qui peuvent causer la mort. Certaines personnes, en fait, disent, ah, personne ne sait, personne ne connaît le jour de sa mort. La mort va venir brutalement prendre certains d'entre nous. On ne sait pas. Non, c'est pas possible. La Bible ne dit pas ça. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes un être spirituel, le Saint-Esprit va vous avertir. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit va vous dire, premièrement. La deuxième vérité, c'est que c'est vous qui décidez avec le Seigneur. C'est vous. Est-ce que vous suivez? Les seules choses qui peuvent amener une mort prématurée chez vous, c'est si vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, que si vous le dites et vous voulez, comprenez, et que si vous ignorez que Dieu veut que vous puissiez vivre longtemps et que Dieu aimerait vous alerter et que c'est votre choix en fait. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre que la mort n'est pas du côté de Dieu. Vous comprenez? Est un ennemi. Vous prenez un verset biblique, vous allez voir, vous prenez. Je vais vous donner. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25. 1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut dire que la mort est un ennemi. Et ça veut dire que la mort sera détruite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, je dis que le chrétien, il ne meurt pas, il dort. Changeons le langage concernant le chrétien. Vous suivez? Parce que la mort ne peut pas toucher un chrétien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? La mort ne peut pas toucher un chrétien. Un chrétien, il s'en va vers le Seigneur. Un chrétien, il dort. Ce sont les païens que la mort vient chercher. Parce que la mort est un ennemi et la mort est du côté du diable. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, vous suivez, il ne peut pas être pris par la mort. Ce sont les anges de Dieu qui viennent le prendre. Vous savez, la mort est un démon. La mort est un ange. On parle de l'ange de la mort. C'est un démon qui travaille avec le diable. Et la Bible dit que c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Écoutez-moi bien, si vous avez autorité sur le diable et ses démons, ça veut dire que vous avez autorité aussi sur cet ange maléfique. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, je vous dis que les chrétiens dorment, les chrétiens ne meurent pas. Regardez, je vais vous donner la référence biblique. Je vous la donne. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul qui dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il ne dit pas au sujet de ceux qui sont morts. Il dit au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et là, quand vous lisez la suite du passage, l'apôtre Paul va nous donner notre espérance. Est-ce que vous comprenez? Non, il dit au sujet de ceux qui dorment. Regardez même le langage de Jésus au sujet de Lazare. Il ne dira pas que Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Jusqu'à ce que il se rende compte qu'en fait personne n'arrivait à comprendre son langage. Vous savez, il y a un langage dans le monde spirituel que nous devons avoir. La Bible dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous avons une façon de parler. Nous devons adopter ce langage, mes frères, mes chers frères et sœurs. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand nous adoptons ce langage, ça amène ces choses dans notre vie. Ça fortifie notre esprit. Ça fortifie notre foi. Et on arrive à véritablement faire les exploits avec le Seigneur. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment nous ferons des exploits avec Dieu? Aussi, nous le ferons à cause de notre façon de penser et à cause de notre façon de raisonner. Donc, nous ne parlons pas comme des inconvertis. Les chrétiens dorment. Pourquoi? Parce que la Bible dit un signal donné par Dieu à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront parce que nous serons ressuscités. Parce que, mes chers frères et sœurs,
Même quand nous passons dans l'au-delà, nous rejoignons le Seigneur. Nous sommes auprès de lui, nous sommes vivants. Avec Dieu, il n'y a pas de mort. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en vie. Et la Bible dit que nous revêtirons un corps nouveau avec des propriétés particulières. Je ferai un enseignement au séminaire qu'on aura le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre à Paris, au 36 avenue du président Salvador Allende à Montreuil, où je vous parlerai des différents corps que nous aurons. Est-ce que vous suivez? Des différents types de corps. Et vous allez vous rendre compte que la volonté parfaite de Dieu a toujours été que nous soyons en trois dimensions. Donc, même si actuellement, les gens qui sont au ciel sont peut-être en deux dimensions, mais ils vont revêtir, ou non, ils vont revêtir un corps nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ils vont revêtir un corps nouveau. Donc, vous devez saisir, mes chers frères et sœurs, bon, en deux dimensions, je vais vous redire ça, hein, c'est pas trop vérifié, je pense qu'il y a autre chose, mais je vous redirai ça très bien avec précision. Qu'à cela ne tienne, on est en train de vous dire que vous devez changer votre terminologie, ok? On est en train de vous dire que vous devez changer votre façon de parler. Maintenant, comment renverser les verdicts? Les verdicts de mort. Et qui peut déjà donner ces verdicts de mort? Premièrement, vous-même. Vous-même. Si vous n'êtes pas enseigné, si vous avez toujours écouté la religion qui vous dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, la mort vient, elle peut attaquer n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, et puis vous dites oui, soyons prêts tout le temps. Oui, je suis d'accord, soyons prêts tout le temps, tu vois, vous voyez, mais par contre, nous pouvons être divinement avertis. Deuxièmement, ce que la religion peut dire, c'est que nous ne pouvons pas décider de notre mort. Ça, c'est pas vrai, ça. Je vais vous montrer les passages bibliques, est-ce que vous suivez? Voilà, donc quand toutes ces choses-là, vous ne les connaissez pas et vous n'y croyez pas, vous allez parler ce langage-là et vous-même, vous pouvez prononcer des verdicts sur vous. Et Satan va venir vous dire des mensonges. Et ces mensonges-là vont vous amener à prononcer des verdicts sur votre vie. J'ai eu, il y a quelques années de cela, nous étions à Saint-Germain-en-Laye. On venait de démarrer à CER Paris. J'ai libéré une parole de connaissance selon laquelle certaines personnes avaient comme la conviction qu'ils n'allaient pas dépasser les 50 ans. Et j'ai demandé à ces personnes-là de venir devant. Et j'étais étonné de voir autant de personnes devant. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui peut amener les gens à penser à cela? Et j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je prie pour ces personnes. Elles sont venues et je leur ai parlé. Je leur ai parlé de la longue vie et j'ai brisé le verdict du diable sur eux. Ces personnes-là vont dire des choses sur elles-mêmes à cause de ce qu'elles croient. Elles vont décréter des choses. Elles vont mettre des verdicts. Et de là, leur vie va être conditionnée par ces verdicts-là. Est-ce que vous suivez? Même des hommes de Dieu, hein? Même des hommes de Dieu. Je connais un homme de Dieu qui est mort très jeune. Il est mort dans la trentaine et pourtant il avait fait un travail formidable, hein? Vraiment un homme de Dieu puissant, utilisé dans la guérison, mais très connu jusqu'à présent. Il a toujours des fils et des filles qui continuent dans le ministère. Et cet homme de Dieu, pendant qu'il était en train de prêcher un jour, il prophétisait sur une nation et il disait, oh Seigneur, je prie que quand ces choses-là vont arriver, je ne sois plus là. Le problème, c'est que 2-3 ans plus tard, ces choses-là ont commencé dans son pays et il est mort bien avant. Ça, c'est des choses, par exemple, que lui-même il va émettre un verdict qui va abréger sa destinée. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il puisse mourir maintenant? Je vous le dis non, parce que la mort prématurée n'est pas dans la volonté et le plan parfait de Dieu pour l'homme. Je sais que vous allez me prendre l'exemple de Jésus. Vous allez dire, oui, mais Jésus a vécu 33 ans et au bout de la 33e année, il est mort de façon prématurée. Jésus est une exception. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas été victime de la mort. Jésus lui-même, il le dit. Il dit en fait, on ne m'ôte pas la vie, c'est moi qui la donne. Il a fallu, Jésus a donné sa vie. Il a fallu que ça arrive pour que nous ayons la vie et que des millions de personnes soient sauvées. La mort de Jésus n'est pas une mort, c'est un sacrifice qu'il a fait. Jésus n'est même pas mort martyr. Jésus n'est pas un martyr en fait. Jésus s'est donné lui-même, est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été victime de ça et lui-même il le dit. Et il dit que quand on est venu l'arrêter, il dit à Pierre, parce que Pierre va sortir le couteau et couper l'oreille de Malchus, il dira à Pierre, mais attends, est-ce que tu penses que je ne suis pas capable d'invoquer 12 légions d'anges pour que mon père vienne, pour que les anges viennent nous secourir? Donc le Seigneur Jésus avait la possibilité de pouvoir sortir de la situation. Il s'est véritablement livré lui-même pour que nous soyons sauvés. Donc ça c'est une mesure exceptionnelle et on ne peut pas prendre ça comme un cas qui
qui nous concerne forcément. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Jésus se sacrifie pour que nous tous, nous ayons la vie. Donc, mais tout le reste, quand vous regardez l'apôtre Paul n'est pas mort prématuré, il a vécu longtemps. Quand vous voyez l'apôtre Pierre, il a vécu longtemps. Vous allez me dire, mais qu'en est-il des martyrs? Vous savez, l'enseignement sur le fait d'être martyr pour le Seigneur, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire parce que, vous savez, la Bible va donner un privilège. La Bible dit que le sang, qu'il a du prix à ses yeux, le sang de ses bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Toutes les personnes qui meurent pour la cause de l'Évangile, bien sûr qu'ils ont une position au ciel particulière, ils ont une réponse, ils ont une récompense particulière. Et les premiers disciples étaient au courant de ça. Les premiers disciples avaient cet enseignement-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, parmi les premiers disciples, il y en avait qui certainement voulaient mourir martyrs pour le Seigneur. Quand je parle de martyrs, je ne parle pas de ces personnes-là qui prennent les bombes et qui vont exploser et tuer les gens. C'est pas ce que ces premiers disciples faisaient. Je suis désolé, on les attrapait à cause de leurs convictions, on les tuait. C'est ça les vrais martyrs. C'est pas les gens qui vont exploser les bombes par-ci par-là ou qui vont tuer d'autres personnes et se tuer eux-mêmes et ils disent qu'ils sont martyrs, ils disent qu'ils iront au paradis. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle de martyrs bibliques. À l'époque, on attrapait les chrétiens parce que ils croyaient en Dieu, parce que ils étaient chrétiens et on les tuait. Vous voyez, donc il y avait un enseignement, et d'ailleurs c'est un enseignement qui est réel, c'est dans la Bible, qui disait que ceux qui mouraient comme ça, en fait, ils ont une position spéciale, ils auront des récompenses spéciales parce que leur sang a du prix. Ok, donc c'est ce qui fera que Étienne, par exemple, soit lapidé. Moi, je crois que sérieusement, le Seigneur aurait pu délivrer Étienne. Moi, je crois que Jacques, qui a été tué par Hérode, moi je crois sincèrement que Jacques aurait pu être sauvé. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Jacques dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit quoi? La Bible va nous dire que Jacques va être attrapé et puis le peuple va être satisfait du fait que Jacques soit attrapé et tué. Et la Bible dit que Hérode, voyant que le peuple était content, il va attraper aussi Pierre. Mais regardez, quand il va tuer Jacques, déjà quand Étienne est mort, vous ne voyez aucun chrétien élever la voix et prier. Quand il tuera Jacques, vous ne voyez aucun chrétien avant élever la voix et prier. Mais quand il va attraper Pierre, vu que Étienne avait déjà été tué par les religieux et que Jacques avait été tué et que les chrétiens savaient que Hérode allait tuer Pierre parce qu'il avait déjà exécuté Jacques, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? La Bible dit que des prières montèrent nuit et jour auprès du trône de Dieu jusqu'à ce que Dieu envoie un ange pour venir délivrer Pierre. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai fait un enseignement comme ça un jour dans mon église et je me suis dit, pourquoi faut-il que quelqu'un meure pour que l'église comprenne qu'elle doit prier pour ses leaders et intercéder pour ses leaders? Parce que certaines personnes qui occupent un rang particulier ont besoin d'intercession spéciale et de prière spéciale. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai l'habitude de dire que les chrétiens sont tellement paresseux dans la prière que moi-même j'ai appris à être un fervent intercesseur. Parce que s'il fallait compter sur les prières des chrétiens, je pense que aujourd'hui j'aurais eu peut-être beaucoup de difficultés. Heureusement que moi-même je suis un homme de prière. Donc le cas de Jacques par exemple, si l'église avait prié, c'est sûr, Jacques aurait été libéré. Étienne, si l'église avait prié aussi, je pense que Étienne aurait été libéré. Parce que de toutes les façons, Pierre aussi a été attrapé. Paul aussi, à plusieurs reprises, il a été enfermé, on aurait pu le tuer à plusieurs reprises. Il raconte même que dans ses voyages missionnaires, il a fait des naufrages. Je pense que c'est 3 fois il a fait naufrage. Et à plusieurs reprises, il a été battu 40 coups moins 1. Et 40 coups moins 1, 39 coups de fouet, ça peut tuer quelqu'un. Donc Paul avait la possibilité aussi de mourir de façon prématurée. Mais pourquoi il n'est pas mort de façon prématurée? Parce que Paul avait la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Et qu'est-ce qui me le prouve? Et je vais vous donner les versets bibliques. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Par contre, je vais vous parler d'abord d'un disciple appelé Jean. Jean qu'on a aussi surnommé Jean le Divin. Vous savez, Jean a aussi été attrapé. J'ai fait un enseignement là-dessus. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur YouTube, sur Jean le Divin.
Jean, c'est le genre de disciple, on l'attrape, vous savez, et on veut le tuer. Et on le met dans une marmite d'eau bouillante. C'était une sentence romaine, hein, la marmite d'eau bouillante. Donc on le prend, on le met dans la marmite d'eau bouillante, vous suivez, d'huile bouillante. Et le gars, on le met dedans, le gars ne frit pas, quoi, vous suivez? C'est-à-dire, il ressort de là sans égratignure, sans rien du tout. Il ne meurt pas, un point où on l'a surnommé Jean le Divin. On l'a fait vivre tellement de choses pour essayer de le tuer, on n'a pas pu le tuer. Vous savez comment Jean est mort? Vous savez, Jean a décidé quand est-ce qu'il allait mourir. Vous comprenez? Il avait déjà fini sa mission. La Bible dit, non, pas la Bible, l'histoire de l'Église, excusez-moi. Pas la Bible, l'histoire de l'Église dit qu'il a demandé à ses disciples de creuser une fosse. Et on a creusé une fosse et il a dit, je vais rentrer dans la fosse et vous allez refermer la fosse. Et il est rentré dans la fosse et quand il est rentré dans la fosse, il s'est mis en position de prière. Quand il s'est mis en position de prière, une lumière a resplendi, une lumière tellement éclatante a resplendi que ses disciples qui étaient autour sont tombés et éblouis par la lumière. Lorsque la lumière a cessé, Jean n'était plus dans la fosse. Au contraire, ils ont retrouvé de la manne dans la fosse. Vous vous rendez pas compte de ça? C'est comme ça que ce monsieur-là va mourir. Certains racontent même que Marie, la mère de Jésus, n'est pas morte. Certains racontent qu'elle est montée aux cieux. On parle même, les catholiques parlent de l'ascension de Marie. Bien-aimé, c'est pas forcément faux. Moi, je crois sincèrement que nous ne sommes pas obligés de partir auprès du Seigneur tous de la même façon, mais que nous partirons de la façon dont nous avons déterminé et il nous sera fait selon notre foi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Ça, c'est vraiment une introduction. Ne vous inquiétez pas. Jeudi, je vais vous dire concrètement comment attaquer ces verdicts, mais j'aimerais d'abord que vous sachiez ça, parce que si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas voir l'intérêt d'attaquer des verdicts, parce que vous-même, vous pouvez avoir un verdict de mort sur vous-même. Les médecins peuvent avoir un verdict de mort sur vous. Les sorciers peuvent avoir un verdict de mort sur vous. Je vais vous expliquer, vous suivez. Je dis comment renverser vos propres verdicts, les verdicts des médecins et les verdicts des sorciers sur vous. Est-ce que vous suivez? Mais c'est important que vous puissiez déjà comprendre ce que je suis en train de vous dire là, parce que sinon, vous n'irez pas loin dans la foi en la longue vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Gloire à Dieu. Regardez, je vais vous donner quelques versets bibliques qui vous prouvent cela. Je vais vous donner quelques versets bibliques. Hey, mais vous savez que je n'ai même pas salué les gens. Oh là là, je suis désolé. J'étais tellement occupé. Ben super, vous êtes nombreux là. Je vois le pasteur Aïda, je vois Angela, je vois Brigitte, je vois pas mal de personnes. Gloire à Dieu. Je vois Hiram, je vois Jimmy Romain, je vois Yann. Ok, gloire à Dieu. Partagez cet enseignement parce que ça va sauver la vie à beaucoup de gens. Je vous assure, hein. Partagez cet enseignement, ça vous sauvera la vie. Ça vous sauvera la vie. Donc, commencez à partager maintenant. Vous savez, quand vous partagez en milieu d'émission, d'autres personnes viennent nous rejoindre dans cet enseignement. Ok? Ok? Gloire à Dieu. Ok. Ben, je reviens, j'ai des versets bibliques à vous donner. Je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Bonjour mes chers frères et sœurs, je vais vous présenter l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux sur votre site évangile.tv. Pour ceux qui connaissent cette émission sur Facebook mais qui ne la connaissent pas sur Évangile TV, je veux juste vous dire que pendant qu'elle passe sur Facebook, l'émission passe aussi sur Évangile TV. Pourquoi? Déjà parce que notre plateforme à nous au départ c'est Évangile TV et nos émissions passent d'abord sur Évangile TV et secondairement sur Facebook. Mais aussi sur Évangile TV parce que nous sommes conscients que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Donc vous avez peut-être des amis qui n'ont pas Facebook et vous voulez qu'ils regardent l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Sachez juste, mes chers frères et sœurs, que quand l'émission passe en direct sur Facebook, elle est aussi en direct sur évangile.tv. Comment vous faites pour accéder sur la page de Rencontre sur les réseaux sociaux sur Évangile TV?
eh bien, on va repartir sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir le chemin. Bien sûr, dans d'autres tutoriels, je vous avais déjà parlé de la page émission. Vous pouvez accéder à cette page juste ici en haut. Vous voyez émission, hein, ou bien voir toutes les émissions juste ici, ici et là. Mais beaucoup plus dans le petit carré jaune juste en bas, voir toutes les émissions. Mais on va s'attarder sur ce bouton, hein, qui est le chemin le plus facile. Vous cliquez dessus et vous avez la liste donc de toutes les émissions que nous tournons, que nous avons. Dont nous avons déjà tourné des émissions, des épisodes, et nous continuons à tourner. Et vous avez ici rencontres sur les réseaux sociaux, vous voyez, premier carré, deuxième carré, troisième, deuxième ligne, premier carré, deuxième carré, rencontres sur les réseaux sociaux. Vous cliquez et vous atterrissez donc sur la page de rencontres sur les réseaux sociaux. Quand il y a le direct, cette petite vidéo-là qui ressemble à un GIF animé, va partir et vous allez me voir en direct en train d'expliquer la parole de Dieu. Tout comme avec Facebook, vous pouvez faire des commentaires aussi ici. Vous avez remarqué, vous faites vos commentaires ici. Ceux qui ont Facebook peuvent se connecter avec Facebook et ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez faire des commentaires autrement. Mais comment? J'avoue qu'il faut que je demande à notre web graphiste, designer, master, voilà, pour qu'ils nous disent comment faire. Donc vous regardez le direct hein, et juste en bas, le dernier direct se trouve toujours ici en grand. Par exemple, ici, c'est comment exercer le ministère de guérison. Par exemple, quand je fais un direct, peut-être 30-40 minutes plus tard, il est en replay juste là. Donc tous les autres. Toutes les autres émissions sont bien sur cette page et vous pouvez vraiment en bénéficier. Il y a déjà pas mal d'émissions, vous voyez. Je vais faire page suivante juste en bas pour que vous voyez toutes les autres émissions qui ont déjà été tournées. Il y a vraiment pas mal. Et je peux continuer encore, hein. Page suivante encore pour que vous voyez. Et il y a pas mal, pas mal, pas mal d'émissions pour votre édification. Ça, c'est le replay de rencontres sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer d'excellents moments. Voilà, j'espère que ça vous a donné le temps de partager la vidéo, hein, en attendant. Donc, j'étais en train de vous donner quelques arguments. Et vous allez voir, on va examiner ensemble quelques versets bibliques qui vont vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus a toujours dit, il te sera fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Et le Seigneur a toujours dit, femme, par exemple, femme, ta foi t'a sauvée, ou bien ta foi t'a sauvé, va en paix. Ça, c'est une phrase que vous allez voir très souvent le Seigneur dire. Parce que la qualité de notre vie dépend du niveau de notre foi. Et le niveau de notre foi dépend de la qualité des révélations que nous avons et de l'enseignement que nous avons. Si vous avez cet enseignement que je vous donne et vous acceptez cet enseignement-là deviendra une vérité au-dedans de vous, ça deviendra comme un rhéma pour vous et ça se manifestera dans votre vie et vous pourrez véritablement vivre ce que je suis en train de vous dire. Ça, ce sont les choses avec lesquelles je marche et je vis. C'est pour ça que je vous enseigne ces choses-là. Il y a quelques versets bibliques que je voulais vous donner. Regardez, on va prendre déjà on va prendre déjà 1 Pierre, non, 2 Pierre, chapitre 13. 2 Pierre, de chapitre 1, verset 13. Merci. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, dit ceci. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente. Le mot tente ici, c'est le corps, ok? C'est le corps. Parce que le corps que vous voyez, c'est une enveloppe, hein? Ce n'est qu'une enveloppe. Parce qu'il est animé par l'esprit et l'âme. S'il n'y a pas d'esprit et d'âme dans un corps, ce n'est que de la chair, ce n'est que de la poussière. Donc, notre corps ici va
l'apôtre Pierre va l'appeler ici tante, ok? Donc ne vous embêtez pas, remplacez le mot tante par corps. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, retenez bien, c'est lui qui dit, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Est-ce que vous voyez ça? Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Voici l'apôtre Pierre qui dit ici clairement qu'il sait que son départ de ce corps, c'est-à-dire la mort, est imminente. Est-ce que vous comprenez? Et il dit quoi? Il dit que c'est le Seigneur qui le lui a dit. Là, ça renverse ici l'argument selon lequel non, on n'est pas au courant, ça vient brutalement, ça vient... Non, mes chers frères et sœurs, soyez des hommes de foi. Vous comprenez? Dieu peut divinement vous avertir. Ça, c'est le niveau numéro 1. Le niveau numéro 2, c'est le choix que vous avez. Et je vais vous donner le deuxième verset biblique. Vous prenez maintenant Philippiens, chapitre 1, dès le verset 2, dès le verset 22. Philippiens, chapitre 1, dès le verset 22. Regardez. Mais s'il est utile, ça c'est Paul qui le dit. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir, vous comprenez, de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans l'attente. Il dit, je veux partir, vous comprenez, mais à cause de vous, c'est mieux que je puisse rester. Est-ce que vous suivez? Effectivement, il va rester. Effectivement, il va vivre longtemps et il dira à Timothée, au moment où il partira, il dira, ça y est, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui décide de quand est-ce qu'il peut partir. Il dit, je peux partir. Il dit, je peux partir, ce sera meilleur pour moi. Et un verset avant, il dit, la mort lui est un gain. Est-ce que vous suivez? Mais il dit, mais à cause de vous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pères spirituels doivent vivre longtemps, à cause des enfants. Parce que les enfants ont tellement de choses à apprendre encore de l'expérience des pères, que c'est important qu'ils puissent vivre longtemps. Mes chers frères et sœurs, Oral Roberts, à la fin de sa vie, il passait du temps à conseiller des pasteurs. Il recevait des pasteurs chez lui, par groupe de 20 environ, et il les conseillait, il leur parlait, les pasteurs posaient des questions et ils répondaient. Il faisait partager son expérience à la jeune génération. Et le problème, c'est quoi avec la mort prématurée? C'est que l'ancien, c'est que le père spirituel n'a même pas l'occasion de pouvoir partager. Mes chers frères et sœurs, il y a les générations futures que vous devez influencer. Je déclare que vous allez vivre longtemps parce que vous leur donnerez les secrets de votre ministère et de votre succès au nom puissant de Jésus. Nous voyons dans ce passage biblique que l'apôtre Paul va donc comme avoir le choix de soit aller, soit de rester. Mais il va préférer rester à cause d'eux jusqu'au moment où les temps viennent où il va rejoindre le Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Vous comprenez? Gloire à notre Dieu. Hallelujah. Ça, c'est formidable. Ça, c'est la révélation avec laquelle je marche et je vis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, moi, je crois que vous avez la puissance de renverser un quelconque verdict sur vous. Vous avez l'autorité. Que ce soit les verdicts que le diable va dresser contre vous, que ce soit les verdicts que les médecins vont donner sur vous. Vous savez, votre vie ne dépend pas de ce que les médecins disent. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout ce week-end à Rennes. J'ai dit que votre vie dépend de la parole de Dieu. Vous suivez? Écoutez-moi bien. Les païens sont animés par Souké. Les chrétiens sont animés par Zoé. Deux types de vies différentes, avec des caractéristiques totalement différentes. Est-ce que vous comprenez? La vie souké est une vie animale. La vie souké est une vie instinctive. La vie souké est soumise à ce qui peut affecter le sang, la chair, les muscles, les os. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vie souké. Et ça, lorsque vous n'êtes pas sauvé, c'est cette vie-là que vous avez. Parce que votre esprit est mort, votre esprit n'est pas réconcilié avec Dieu et votre esprit ne peut pas avoir la vie. Mais quand votre esprit, quand vous vous réconciliez avec Dieu, votre esprit est recréé et une nouvelle vie vous est donnée. Vous comprenez? On appelle ça la vie éternelle qui a des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est que, un, c'est une vie qui est éternelle. C'est une vie de Dieu. Donc, cette vie est éternelle. Donc, cette vie est abondante.
Donc, cette vie te, vous donne la capacité de vivifier. Est-ce que vous suivez? Ce sont les caractéristiques de cette vie-là, ça vivifie. Et j'ai donné une puissante révélation la dernière fois quand j'enseignais à Rennes, et je pense que je l'ai donné déjà à Paris. Lorsque Jésus est revenu à la vie, il s'est présenté aux apôtres avec un corps. Mes chers frères et sœurs, si c'était le sang qui nous faisait vivre, en tant que chrétien né de nouveau, la Bible dit que le sang de Jésus a été répandu à la croix, son sang a été versé. Mais avec quoi il s'est présenté devant les apôtres? Qu'est-ce qui faisait vivre? Qu'est-ce qui animait son corps ressuscité? La Bible dit que c'est l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vous comprenez, qui a Zoé en lui, et c'est Zoé qui a communiqué la vie à ce corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre vie ne dépend pas de ce que les médecins disent. Les médecins peuvent dire que cet organe-là est foutu et que vous n'allez plus vivre longtemps. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez déclarer non. Vous pouvez dire, je déclare au nom de Jésus que je vivrai longtemps. Je déclare au nom de Jésus que la vie de Dieu soutient ces organes malades. Je déclare que la vie de Dieu restaure. Et la capacité avec cette vie de Dieu-là, c'est que elle est au-dessus des bactéries et des virus. Elle a la capacité de tuer toute bactérie. Elle a la capacité de tuer tout virus. Elle a la capacité de rétablir. Lorsque des cellules sont malencontreusement fonctionnelles, lorsqu'elles fonctionnent mal, cette vie-là a la possibilité de rétablir les choses. Est-ce que vous comprenez? Et c'est par ça que nous vivons, mes chers frères et sœurs. Nous ne vivons pas comme les païens, nous ne vivons pas comme les simples hommes. Ce qui touche les simples hommes ne doit pas nous toucher, ne devrait pas nous affecter. Mais cela dépend de notre foi, mes chers frères et sœurs. Cela dépend de notre foi. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, jeudi, je vais clairement vous expliquer concrètement les armes à utiliser et comment le faire. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Peut-être que vous êtes malade et vous me regardez. Je vais prier, je vais demander au Seigneur de pouvoir vous toucher. Ok? De pouvoir vous toucher là où vous êtes. Et après, on va prier pour vos parents qui sont malades. La Bible dit que le premier Adam est un être vivant et le second Adam est un être vivifiant. Vous êtes du second Adam. Vous êtes un être vivifiant, c'est-à-dire un être qui peut communiquer la vie. Un être qui a la vie, mais qui est la source de la vie et qui peut communiquer la vie. Vous pouvez communiquer la vie là où il y a la mort. Vous pouvez communiquer la vie là où il y a la maladie. Vous pouvez communiquer la vie là où les médecins ont déclaré la mort. Est-ce que vous suivez? Nous allons prier d'abord pour vous. Si vous savez que vous êtes malade quelque part, j'aimerais que vous puissiez prier après moi, avec moi maintenant. Et vous allez voir, la puissance de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Je vous ai dit que cette semaine, j'allais commencer vraiment à prier pour vous. Et on va le faire davantage. Et je pense que je suis en train de me préparer pour que les jeudis soirs, je puisse vraiment prendre le temps de prier pour vous. Ok? Et je vais renverser tout verdict déclaré sur vous. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, si les médecins ont dit qu'il vous reste tant de temps, ils vous ont dit que non, cet organe ne vivra que tant de temps, je viens au nom de Jésus renverser ce verdict et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la vie de Dieu se manifeste pleinement maintenant chez mon frère, chez ma sœur. Mon Père et mon Dieu, merci parce que ta main est sur chacun d'eux maintenant. Père, ta puissance est sur chacun d'eux maintenant. Père, au moment où je suis en train de parler, je prie que l'onction du Saint-Esprit descende maintenant sur chacun d'eux. Que l'onction de Dieu descende. On va mettre un peu une musique ouinte. Mes chers frères et sœurs, gloire à Dieu. On va mettre une musique ouinte. Et on va continuer la prière, ok? Laisse-moi juste le temps de la mettre. Thank you.
L'année scolaire 2016-2017 sera une année pour vous remplie de bénédictions et vécue dans la santé divine. C'est une année où vous allez recevoir la guérison suite à cette maladie peut-être qui vous a suivi la dernière année scolaire. Nous allons démarrer une tournée de guérison et de foi dans plusieurs villes de France et d'ailleurs. Et nous allons commencer en septembre avec Lyon. Donc du 10 au 11 septembre, nous serons au 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. C'est juste à côté de Lyon, c'est au nouveau local de ACER Lyon. Nous vous attendons nombreux pour ce puissant service de guérison. Après, nous allons enchaîner à Rennes, au stade Rennais. Donc du 16 au 18 septembre, nous serons au stade Rennais, au 111 route de Lorient à Rennes. Et après, nous allons terminer cette première phase de la tournée à Paris, à l'espace Saint-Martin, du 30 septembre au 2 octobre. À l'espace Saint-Martin, ce sera au 199 bis rue Saint-Martin à Paris. C'est à Châtelet, on a déjà fait plusieurs événements dans cette salle et là, cette fois-ci, on vous attend encore un peu plus nombreux. Donc, ce sera sur la foi et la guérison. Il y aura une semaine avant, dans chacune des villes, une école de guérison dans laquelle on vous apprendra comment recevoir la guérison et garder la guérison. Donc, avant que le séminaire ne commence, à partir du mardi, vous aurez des cours sur la guérison divine. Donc, si vous êtes malade et que vous avez besoin de guérison, inscrivez-vous dès maintenant sur evangile.tv. Inscrivez-vous sur notre école de guérison par rapport à la ville où vous êtes et les dates où vous voulez venir pour pouvoir participer à cette école de guérison avant que nous ne prions pour vous le week-end pendant la conférence. Je vous rappelle les dates. Donc, c'est le 10 et le 11 septembre à Lyon, 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin, le 16 et le 18 septembre au stade Rennais, 111 rue de Lorient, et le 30 septembre jusqu'au 2 octobre à Paris. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire pour que nous puissions bien vous accueillir. Je vous assure, ce sera puissant. Ce n'est que le commencement de l'année scolaire, mais nous avons d'autres merveilleuses dates à vous communiquer. On aura bien sûr au mois d'octobre, je serai à la conférence des aigles. Au mois de novembre, début novembre, je serai à Abidjan aussi pour un autre service de guérison. En décembre, on aura aussi des dates. En février, on aura des dates. Toute cette année scolaire sera remplie de bénédictions et j'espère te voir à ces endroits pour te communiquer la grâce de Dieu. Je te dis à bientôt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants. Alléluia. Korabasa karamando robosaya. Intarabasokoro Koramasa karamando robosaya Korabasa karabaria rabasanda Kondorobo rabasa karabaria rabasanda.
Père éternel, je viens te prier pour tous ceux dont les verdicts ont été scellés par les médecins. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser ces verdicts maintenant. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser ces verdicts et je viens dire que seule ta parole s'accomplit dans leur vie au nom de Jésus. Tu as dit dans le psaume 91, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je déclare au nom puissant de Jésus pour le frère et la sœur qui me regardent maintenant. Père, que tu rassasies de longs jours maintenant. Priez avec moi, mes chers frères et sœurs, priez avec moi. Priez dans votre cœur. Si vous êtes au travail, priez dans votre cœur. Alléluia. Prenez une attitude de recueillement. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que quelle que soit la raison pour laquelle on a scellé ce verdict, je renverse cela au nom de Jésus. Père, merci pour les organes que tu répares maintenant. Père, merci pour le sang, Seigneur, que tu rétablis, ô Dieu. Père, un sang anormal, peut-être tu le rends normal au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que toute cellule qui se multiplie de la mauvaise façon, toute cellule cancéreuse disparaît au nom de Jésus. Père, je viens déclarer que toute douleur disparaît maintenant des corps au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant que ta puissance descende maintenant de la tête jusqu'à la pointe des pieds maintenant de tous ceux qui me regardent et m'écoutent. Père éternel, que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu coule maintenant à flot sur eux et les restaure. Père, je prie au nom puissant de Jésus pour tous ceux qui ont des parents malades. Au nom de Jésus, je prie que tu les équipes maintenant. Père, merci parce que tu as fait de nous des êtres vivifiants. Des personnes qui peuvent communiquer la vie. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ, Père, la vie pour nos proches. La vie, Père, pour toutes les personnes qui ont des parents malades. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que lorsqu'ils se mettent à imposer les mains à ces personnes sont guéries au nom puissant de Jésus. Père, j'ordonne aux oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Père, j'ordonne au nom puissant de Jésus. À la force physique de revenir aux uns aux autres. Père, je chasse toute maladie dans les corps au nom puissant de Jésus. Père, je déclare la vie, je déclare la santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour ta grâce. Père, je te bénis pour ta puissance. Père, je te bénis pour ta miséricorde. Merci, mon Père et mon Dieu. Je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre, Se préparer à réussir son mariage. Ce livre m'a pris 13 années pour l'écrire. Pourquoi? Parce que ces 13 années sont mes 13 années d'expérience dans le mariage et j'aimerais partager avec vous les principes d'un mariage réussi. Bien-aimés, vous saurez dans ce livre comment vivre et réussir votre célibat. Vous découvrirez que le célibat n'est pas une malédiction, mais une période transitoire. Dans ce livre, vous verrez les 10 illusions du célibataire. Vous verrez aussi comment approcher son conjoint, gloire à Dieu. Vous verrez les questions des fiançailles et de la dot pour certaines cultures. Dans ce livre, vous aurez aussi les devoirs de chaque époux. Vous verrez aussi les crises dans le couple. Mais nous étudions aussi dans ce livre les divorces ou le divorce selon la parole de Dieu. Vous allez être bénis. Faites tout pour avoir votre copie. Ce livre s'adresse aux gens qui ne sont pas encore mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui sont mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui étaient mariés et qui veulent se remarier, qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs ou qui ne veulent pas revivre les mêmes échecs. Ce livre s'adresse à toi qui me regardes maintenant. Alors ne tarde plus. Tu peux aller sur, vous pouvez aller sur www.alainpatrick.fr ou appelez au 06 36 91 21 74 pour avoir votre copie. Que Dieu vous bénisse. Salut à tous, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre,
se préparer à réussir son mariage. Ce livre m'a pris 13 années pour l'écrire. Pourquoi? Parce que ces 13 années sont mes 13 années d'expérience dans le mariage et j'aimerais partager avec vous les principes d'un mariage. Ok, je vais prendre vos requêtes de prière maintenant. Je vais prendre vos requêtes de prière. Voyez vos requêtes de prière, je vais les prendre maintenant. Gloire à Dieu. J'attends vos requêtes de prière et vos questions. Gloire à Dieu. Bonjour Rosa Gaspard. Bonjour Brutus Ladine Norline. Bonjour Loeva Aaron. Non, pas seulement sur les verdicts de mort. Et je bénis le Seigneur que ce soit clair pour vous à ce sujet, mais vous pouvez poser d'autres questions aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Grâce, grâce, shalom, gloire à Dieu. Korabasanda rabaria rabaso koroboramanda rabasaya. Alléluia, korabasi karamanda rabasi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur parce que tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, ta parole nous garantit le meilleur et nous voulons prendre, Seigneur, ce meilleur. Nous voulons expérimenter ce meilleur. Nous voulons voir cela s'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que la vie que tu veux nous donner, c'est une vie que tu nous as donnée, Seigneur, c'est une vie en abondance. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Ok, nous avons une question. Une prière pour un déblocage financier me concernant, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour que les finances de mon frère Adrien soient débloquées au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais couler à flot, Seigneur, sur sa vie. En abondance, ô Dieu. Père, je te remercie parce que tu lui ouvres les yeux, ô Dieu, sur des opportunités nouvelles qui peuvent faire venir des finances dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de manque. Je chasse le dévoreur dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'appelle les finances à flot. Que les finances coulent à flot dans la vie d'Adrien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie parce que tu es celui qui pourvoit. Je te remercie parce que tu es celui qui donne la semence au semeur. Seigneur, ouvre des portes pour mon frère.
Alléluia. Père, je le bénis maintenant. Et je te rends honneur et gloire, Seigneur, pour ce que tu fais dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, apôtre. Ça, c'est Jesse. J'ai un oncle au bord de la mort. Il est actuellement à l'hôpital. On lui donne quelques jours à vivre. C'est un inconverti. Il a le cancer de la gorge et des complications qui ont suivi, bien sûr. Pouvez-vous m'aider à proclamer la vie Zoé dans son corps? On refuse le verdict des médecins au nom de Jésus. Ok. Nous allons prier pour l'oncle de Jesse. Seigneur, nous voulons nous accorder avec notre sœur Jessie. Seigneur, je te bénis parce que tu donnes l'occasion à cet homme d'entendre ta parole, d'entendre le message de foi et le message de l'évangile, le message qui guérit, le message qui restaure les vies, le message qui transforme les vies. Mon Père et mon Dieu, que cet homme, Seigneur, entende parler de toi et que cet homme soit relevé, Seigneur, de sa maladie, que la foi naisse dans son cœur, ô Dieu. Père, merci parce que tu donnes les mots à Jessie, Seigneur, pour cet homme, Père. Père, merci parce que tu étends ta main là où il est maintenant à l'hôpital et tu touches sa gorge. Nous faisons disparaître maintenant au nom puissant de Jésus tout symptôme de cancer. Nous faisons disparaître au nom puissant de Jésus toute cellule cancéreuse au nom de Jésus. Seigneur, donne une opportunité nouvelle à cet homme, oh Dieu. Père, je te remercie parce que tu es le Dieu de la seconde chance. Et tu donnes, Seigneur, une autre chance à ce monsieur. Père, que ta main soit étendue sur lui au moment où nous sommes en train de prier et parler. Alléluia, merci Seigneur. Korabasan de lebekaya. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pour un ami chrétien qui s'appelle Jean-Marie et qui souffre d'atroces migraines depuis des années, et les médecins ne trouvent pas d'où ça vient. Et pour lui, en grande dépression depuis 10 ans. Merci, pasteur. Père éternel, je viens faire cesser ces migraines dans le nom de Jésus chez Jean-Marie. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ta main soit sur sa tête. Que ta main, Seigneur, puisse le toucher là où il est. Et que ces migraines s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie aussi pour ceux qui me regardent et qui souffrent aussi des migraines. Au nom de Jésus, je viens faire cesser ces migraines. Je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que ces migraines cessent. Au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie pour ta main puissante qui est sur chacun d'eux. Père, je te bénis pour ta main puissante, oh Dieu. Père, que toute douleur dans les corps disparaisse maintenant au nom de Jésus. Père, merci parce que tu guéris ceux qui ont mal au ventre maintenant. Dans le nom de Jésus, ton onction touche leur cœur, leur corps. Dans le nom de Jésus, ton onction touche la partie de leur corps qui est malade. Au nom de Jésus, je libère ta vie. Je libère ton onction. Au nom puissant de Jésus. Père, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bonjour Tati Josiane. Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Korabasanta rabari barabasondoro dorabasi kayamande. Korabashi karabasanda rabarabas. J'attends vos requêtes de prière, ok? Robosata rabari arabasanda. Robo Sandara Basse Kerebe Siaro Sande.
Alléluia. Apparemment, tout le monde va bien. Gloire à Dieu. Personne n'a des requêtes de prière. Gloire à Dieu. Non, en fait, la requête sur prier pour mon pays, que Dieu fasse régner sa paix, je peux pas prier pour ça pour le moment. Je veux des requêtes un peu plus spécifiques, hein, s'il vous plaît. Un peu plus adaptées à vous. David dit gloire à Dieu pour votre message puissant qui nous guérit et qui nous bénit. Christelle, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ok, on se voit jeudi pour continuer l'étude. Et concrètement, on va voir comment utiliser les armes que le Seigneur nous a données pour pouvoir renverser les verdicts de l'ennemi. Je veux juste vous dire que on a la tournée de foi et de guérison le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre à 36 avenue du Président Salvador Allende. Et je veux aussi vous annoncer que ACER Lyon a ouvert ses portes depuis 2 semaines déjà. Si vous avez des amis à Lyon, vous êtes à Lyon, vous pouvez venir. Nous sommes au 33 rue Louis Saillant à Vauvelin 69120. Hein? Soyez nombreux ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis donc à jeudi. Gloire à Dieu.